Hey yo tout le monde, c'est Merveux, j'espère que vous allez bien et que vous avez la forme. On se retrouve aujourd'hui pour le second épisode sur notre let's play sur voilà ce escapiste. Donc c'est le deuxième jour. Ok, ça marche. On va essayer d'avoir une brosse à dents lors de cet épisode parce que franchement il nous en faut une. Ok, qu'est-ce que je n'ai pas toi? De la colle, non, du talc on n'aura pas besoin. Colle non plus on n'a pas besoin, il n'y a pas d'angélation. Il n'aura que de la merde. Ok. Fermez-la, bande de bitch. Des crétins. Ok, ils vont fouiller qui? Ils vont fouiller qui? Paul et Joseph. Allez, in your face. Ok. Moi, je me prends au-dessus des lois. Non, mais n'importe quoi. N'importe quoi. C'est ta mère qui va laver tes chaussures. Ah, le mec qui se fout de ta gueule. Ok, c'est bon, nous pouvons y aller. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Nous tournons autour de... Oh putain, ils étaient vénères! Oh, mais faire gaffe, on va se faire frapper encore nous, on va rien comprendre. Bla, tu prends la nourriture, tu vas là. Tu prends, je sais pas moi, avec tout fourchette, voilà, t'envoies les couilles totalement. Pourquoi on me surveille? Pourquoi on me surveille comme ça, putain? Non, je vais pas nous quitter tout de suite, attends, on est pas assez badass. Ok, donc faut qu'on défonce Shelby. Il faut qu'on reprenne la plaque d'identité de Paul à Marshall. Non, de Marshall à Paul, voilà. Et il faut faire diversion au moment dîner pour Shane. Ça marche. Oh, mais écoute, Paul, désolé, mais bon, voilà. Donc c'est Shelby. Hein. Observons notre proie. Shelby. 44 de force, il a rien. On a 46... Et on est armé. Là, je propose qu'on aille au défense. Attends, qu'est-ce qu'il veut lui? Joseph. Oh putain, mais c'est mon voisin, Joseph. Tu vas taper, putain, arrêtez vos conneries, là. Même semble, c'est Jevon, mon voisin. Ouais, c'est Jevon. L'homme qui s'est fait victimiser par un policier dans le précédent épisode. C'était très marrant. Bon, attendez, on va le choper. On va le pécho, attendez. Maintenant, défonce-le. Tiens, on t'a défoncé. Qu'est-ce que t'as alors? Ouais, t'as que de la merde. Ciao. Ok, donc là, on a une période libre, donc du coup, on va aller lire. Voilà. Pendant notre période libre, nous allons lire. Ouais, je pense qu'on va lire jusqu'à 11h30. 11h30, ouais. 11h30, et après, on ira un petit peu fouiller les cellules. Ok. À mon avis, il va nous falloir des clés. Hein. Il va nous falloir des clés. Parce qu'en fait, j'ai un petit peu réfléchi entre les deux épisodes. Et en fait, si je fais un trou, en fait, on va se faire violer. Parce que s'il y a un mec qui rentre, on va savoir qu'on s'est barré. Donc en fait, du coup, il faudra une clé des cellules. Donc je ne sais pas c'est quelle couleur de clé. Je crois que c'est... Vert, c'est travail. Orange, c'est utilitaire. Rouge, c'est sortie. Il nous en faudra aussi une rouge parce que... Parce que je pense qu'en fait, on va passer... Parce qu'en fait, le second grillage, là, celui-là... Il est électrifié, donc en fait, on peut pas le couper. À moins qu'on coupe le générateur. Bon, en même temps, ça risque d'être compliqué. Par contre, maintenant, voilà, à force de parler, j'ai oublié de faire ce que je voulais faire. Bon, c'est pas très grave. On a combien d'intelligence, là? Ah, 48, c'est encore un petit peu bas, je trouve. C'est un petit peu bas. Ouais, donc, attends, qu'est-ce que j'ai... En fait, il va falloir qu'on trouve une clé rouge. Donc, il va falloir deux moules à clé. Oh, une brosse à dents. Donc là, on en a déjà une. Non, je ne veux pas ça. Shelby. Non. Ok, donc là, en fait, on a déjà de quoi faire un moule pour une clé. Donc, je ne sais pas, on va peut-être prendre la clé. On verra déjà de toute façon. La première clé qui nous tombe dessus, on la prend. Donc, soit que ça soit une clé de cellule, soit une clé de sortie. Ok. Joseph. Il faut aller voir Joseph. Donc, en fait, là, faut qu'on défonce Joseph. Voilà, je vais défoncer Jevon, ça serait mal parti là à mon avis. Allez, vas-y. Une autre brosse à dents, ça serait vraiment super. Ouais, on croit quand même le bois, parce que bon, le bois, ça peut nous servir si jamais on va creuser. Donc je pense que c'est ce qu'on va faire. Ah, hop là, un petit peu de fric, parce que oui, vu qu'on n'a plus de métier. Voilà, nous sommes au chômage. C'est vraiment horrible. Allez,
Il y a une sorte de baston. Période de sport. Et moi, bien sûr, je me suis crevé comme un con. Oh, ah d'ailleurs, là, ça serait pas mal d'y aller. Peut-être on pourrait sortir par là. C'est qui? C'est Marshall. Non, il a que de la merde. Paul qui nous fout des vents. Regardez-moi cette vitesse! Au niveau des ponts, personne ne rivalise avec nous! Oh, cette vitesse! Cette vitesse! C'est merde que j'ai à la douche. C'est n'importe quoi. Mais putain, toi, oui, je me grouille, c'est bon. T'inquiète. Je fais le silence dans la douche. Période libre. Bah, tu sais quoi, maintenant, on va refaire du sport. Parce que je trouve qu'on n'a pas assez fait. Allez, fais-moi des pompes, merveilleux, vas-y. Eh, pour moi, qu'on ait 98 sur des pompes sur les gardiens. Ah ouais, moi, je me fixe ça. Au moins des 70 pour qu'on défonce les gars, mais avec une facilité. Par contre, vous avez vu, là, il n'y a pas de période de douche, en fait. Attends, Maurice, reviens. 27. Ouais, je pense qu'on est bientôt bon, les gens. On va défoncer Maurice. Attends, quoi, qu'est-ce que tu veux, toi? 31, ok, donc en fait ça varie selon les mecs quoi. On va aller un petit peu fouiller, parce que ça nous fera un petit peu reposer. Ouais, là en fait il faudrait que je passe de l'autre côté, mais en fait si je creuse je vais me faire niquer parce qu'ils vont me voir. Non là c'était déjà avant, c'était déjà avant. En fait il faudrait passer par là. Et le générateur, où est-ce qu'il se trouve alors ce générateur de merde? Je ne sais pas, je ne sais pas. Attendez, on va les amis. On va aller... non, c'était pas mon bureau, mais bon, c'est pas très grave. Ah là, on s'en bat les couilles. On vole tout. Oh, du papier à lui. Je prends même si je sais pas ça me servira à quoi. Ah bah un briquet. Ah non, ouais, c'est celui de Marshall. Bon, c'est pas très grave, hein. On aurait... Ouais, Payne, ça marche, ça marche. Marshall, reviens. Marshall. Maintenant on va garder ça sur nous, on va les mettre dans les chiottes. Et dentifrice. Voilà les amis. Donc maintenant on a ce qu'il nous faut. Donc tout ce qu'il nous faut pour faire les clés. 7 minutes de vidéo, ça va. Bientôt 8. Oh Joseph, qu'est-ce que tu as? Oh du bois, je prends. Merci. Au revoir. On va refaire des pompes. Parce que de toute façon on a déjà fait chez tout le monde. Maintenant il faut qu'on fasse des putains de pompes pour qu'on défonce les gardes. Par contre il me semble que les moules à clé c'est vraiment beaucoup d'intelligence qu'il faut, il me semble. Avant il était chauffeur de taxi, on s'en bat les couilles totalement. Allez, 29 PV, 29 HP, 62 force, 47 d'intelligence et 24 de vitesse. Bon, la vitesse ressemble un petit peu à les steaks, de toute façon, hein. Quand je te le dis. Javon, faut que je fasse des mises pour toi. Ok, ça marche. Donc là, bah, c'est le dîner. Bon, on va encore se défoncer au sport. Pour après brûler toute la graisse. Et après, on reprend du coup, on fait comme des gros porcs. C'est bizarrement par contre, il mange à 5h30. Donc là, parce que je me dépêche. Eh, dépêche-toi, putain, merveilleux, mais bon, cache par fermeture, ils vont me défoncer. Ah, je me dépêche. Ok, marche, alors on va faire copain-copain. Hein. Allez, on va juste leur mettre des pouces bleus, tous des pouces bleus. Oh! Oh merde, c'est pas ce que je devais faire. Ah bah ouais. Tant pis, oh, c'est moche. Donc il faut que j'aille chez Shelby pour prendre l'oreiller. Ouais, mais attendez, mais ils se volent tous les oreilles là, c'est des malins ces mecs. Ok, donc en fait faut que je reprenne l'objet à Jevon. Donc ça je peux pas le faire parce que sinon il va me dénoncer. Oui, parce que je parie, il va faire son bonheur, il va me dénoncer au flic si je vais me casser. Ok, donc Tyrell, Shelby. Donc il faut qu'on défonce celui. Oh Shane, il a pas l'air de trop nous aimer. Hein.
Joseph, ça va. Chaussettes, médicaments, sont pas un petit peu les steaks. Lame de verre. Vas-y, pose-moi cette merde. Voilà. J'ai une lame de verre, les amis. Là, je peux niquer qui je veux. Franchement. Ça m'améliore à mort la force. Donc, il y en a un qui vient, là, je le plante. Hein. Ah, tu viens, je te plante. Hein. Je jure, hein. Je défonce. Hein. Donc, c'était pour qui? Pour Shelby. Oh ta gueule toi, sinon je sors et je te plante. Voilà, maintenant il faut qu'on aille voir Shelby pour lui donner le peigne. Comme ça lui il sait pas qu'on lui a volé un truc. Oh, on est vraiment des mecs. On est vraiment des enculés. Oh Paul, qu'est-ce que tu veux Paul? Magazine, ça marche, magazine, il me semble en plus que je n'ai déjà un. Vous savez quoi, puis on lui donnera. On lui donnera quand il y aura l'appel du soir, on va lire. On va lire, après on va essayer de tabasser un garde. Ok. J'entends comme des bruits de baston, c'est chelou. Allez, en plus on pourrait le défoncer. Ah putain, c'est rentré, je devrais le défoncer, mais bon, ça marche pas. Tant pis. T'as pas compte, on est des blindés maintenant, là, ceux qui veulent nous faire chier. Allez Rolando, désolé, tu t'appelles presque comme Ronaldo. Il faut que tu défonces. Oui. Clé d'entrée. Clé d'entrée. Me semble celle-là. Hein. On peut lui donner un peigne tranchant à prendre sa matraque et sa clé. Non, c'est pas ça, c'est pas ça, putain. Putain, sort. Ouais, c'est bon. J'ai juste vérifié si ça marchait pour sortir. Non. Donc la clé d'entrée ne nous servira à rien. Pour ça. Qu'est-ce que tu nous vends, toi? Papier alu, talc. Le tournevis ne servira à rien de toute façon. Il faudrait des limes. Ouais. Ouais, bon, du coup, on va retourner chez Shelby. Jevon. Ok, officier. Ok, c'est lui en plus. Attendez, est-ce qu'on peut le défoncer? Suis-nous, 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 suis-nous. Allez, on le défonce, on défonce, on défonce. Oui! Les cellules. Oh putain. Les amis, je le tente. Je le tente, je m'en bats les couilles, je le tente. On va se cacher. Ok, donc là, il ne faut plus que je sorte. Hein. Il ne faut plus que je sorte. Parce qu'il a demandé de l'aide. Touche. Mais on me défend. Putain, vite, cache-toi là. Putain, non, 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 il va me défoncer. Il va me défoncer. Non! Vite, 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 cours, 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 Marvel. Cours, 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 lâche-le, 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 tu cours plus vite que lui. Faut que je passe ta jusqu'à ce qu'il me lâche. Putain, il court vite en plus, cet enfoiré. Il court vite. Est-ce qu'on sort? Non! Non, non, on avait tout. Bon, ouais, les amis, vous voyez qu'on s'est fait défonce. Oh, j'ai tout perdu. J'ai tout perdu! Non, putain, j'avais tout. Ok, donc c'est le Mick, Mick Fils, ou je sais pas comment il s'appelle, l'autre qui a le... Ouais, putain. Non, Rolando, ça bat les steaks. Ok, parce qu'il faut que je défonce lui. Non, non, je peux pas défoncer, j'ai pas, désolé. En fait, là, je vais me faire détester par tout le monde. Ah, par contre, j'ai bonne. Oh oui, 91 opinions, il me jartera jamais, lui. Ah, bon, par contre, les amis, là, faut que je me repasse des trucs. Les amis, vendez-moi des trucs, là. Tac, je prends... Ah, bah, remontez là, mec, tu vas peut-être me rembourser. Magazine, oui, je prends.
câble, je ne sais pas, ça me sert à rien. Je ne sais pas. Non, ça ne me servira à rien, câble. Ok, qu'est-ce que tu vends ton chevet? Bois, je prends. Lame de rasoir, je prends. Et une santé, il faut que je donne ça. Et voilà. Ok, Paul, il voulait un magazine. Paul, ton magazine. Parce qu'on l'a même pas payé, on l'a payé moins cher, il me semble même. Ok, donc il faut qu'on défonce l'officier Mikeneuve. Mikeneuve, je sais pas comment il s'appelle. Ok, en plus ça va être une vengeance, les amis. Moi je peux vous dire, on va le défoncer. Ah, par contre là c'est beaucoup plus chaud parce qu'en fait dans l'autre c'est on se faisait fou. Bon, on s'en battait les steaks. Ok, il nous faudra du dentifrice. Du dentifrice. Dentifrice pour faire le talc. Voilà, ok. Ouah, c'était chaud là par contre. Donc du coup on a perdu le briquet et la brosse à dents. Qu'est-ce qu'on a là? Du papier alu. On va poser ça. Non, 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 mec. Non, mec, faut pas se frapper, faut pas se frapper. Ah, mais c'est une défense! Ah bon, la défense, moi, alors. Non, il a 91 d'opinion, c'est pas très grave. Ah, il a un marteau, le mec. Tu m'as dit qu'il m'a défense. Ok. Bon, du coup, les amis, c'est la fin de la vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu. On s'est énormément payé. Merde, les projets recrutent, je dis non. Voilà, donc tu veux qu'on se prête? Putain, il a quand même défense. Il m'a défoncé, il avait un point. Ah bon, ça va, son opinion ne baisse pas. Donc du coup, bah, j'espère que la vidéo vous aura plu. C'est le cas, n'hésitez pas de lâcher un maximum de pouces verts. À vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et à partager la vidéo et la chaîne avec vos amis. En tout cas, on a fait beaucoup de fails. Beaucoup de fails, beaucoup de conneries et beaucoup de fails. Ouais. Ouais, beaucoup de fails. Je sais, c'est beaucoup de fails. Putain, mais on avait la clé pour se barrer déjà ici. Ah, c'est niqué. Bon, passons, pas grave, il nous aurait de... Merde. Bon, voilà, c'est bon. Non, je te défonce, je te défonce, je te défonce, je te défonce devant mes abonnés. Oh, bah, t'as un peigne, gros. Oh, bah, non, ton marteau. Oh, et ton peigne. Oh, voilà, mec. Tac et tac. Et ça me fait un peigne tranchant, gros. Et je prends ton marteau. Allez, on va poser Jevon dans son lit. Ou à côté de son lit, voilà, ça va les steaks. Voilà. On lui met les bureaux à côté de lui. Voilà, comme une grosse victime. Oh, t'as violé. Oh, on t'a violé le mec qui pète un câble. Oh, je t'ai baisé. Voilà, allez. On va remettre bien les bureaux, mais bon, se pose des questions, il va dire, putain, qu'est-ce qu'ils ont foutu eux deux. Ok, donc c'est ça les amis, portez-vous bien. Et bye tout le monde!